Esa ya coina ya coino, solala. Me cola la terre. Zappé, 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 Luca. Oula, la princesse. Yokalikam, Yokalikam. Congo Royal TV. Na kotika la simate, na yoka mungongo ya la sainte. Et bongo, la princesse, ma beauté na yo. Pardon, ma beauté. Qu'est-ce que ces choses arrivent dans ta vie? Laisse-moi te dire, après Jésus-Christ, ce n'est plus le moment. Ce n'est plus la même situation. Ce n'est plus la même vie. Ne cherche pas à quelqu'un. Ce n'est plus la même vie. Parce que ta vie est devenue nouvelle. Et cette vie nouvelle ne se révèle pas seulement par le fait qu'on a pu se délivrer ou être délivré de choses qui t'accablaient, de choses qui dominaient sur toi. Mais cette nouvelle vie s'est traduite aussi par une transformation de l'homme intérieur. Si tu as cru en Jésus-Christ, si tu as cru en Jésus-Christ, même ta pensée doit être renouvelée. Même tes habitudes doivent commencer à être renouvelées. Tu ne peux pas continuer à croire ou à demeurer en Christ en ayant la même vie du passé. Il faut qu'il y ait une nouvelle vie. Je dis, il faut que nous puissions mener une nouvelle vie en Jésus-Christ. Tu n'es pas mort pour rien. Tu n'es pas ressuscité enfin. Mais tu es ressuscité avec Jésus-Christ pour une nouvelle vie. Et lorsque la vie est nouvelle, même les conditions de l'environnement changent. Même le standing de vie change. Jésus-Christ, quand il arrive dans la vie d'une personne, il ne change pas seulement le comportement, mais il change aussi l'aspect extérieur. Je vais vous dire une chose. Écoutez, ce qui est vrai, c'est la paix Bouga. Mais 10 ans avant, son mot là qu'il a, au monde du matin, je ne pouvais pas croire. Mato Kolo. Non, il y a ma photo. Je viendrai avec mes photos. Ola Sylvestre. J'ai apporté une veste. Bon, on a un mouton. On voit de la tête. Amen. Papi Dio. Tout son là. C'est à moi. Non. On te demande à moi qui faut te faire un mariage à l'objet. Oh, papi, tu dois dire qui papa. C'est quoi vous, Michel? Il y a environnement. Amen. Mais il y a un million qui sont dans le compte à moi. Dans le complexe Silio. Amen. Amen. Vous m'avez dit, vous avez informé. Vous avez masse, vous avez informé. Vous avez un français. Quelque chose qui n'a pas de forme. Vous avez un français. Parce que vous avez un monde sur avantage. Je ne peux pas français, mais là, il est. Merci, madame. Vous ne pouvez pas parler de ma français au côté de l'eau. Mais il y a des endroits où il doit être là, il m'a dit que français. C'est ça que je veux. À tel ou quel. À qui on fait dans le bar français. Avec Jésus, c'est possible. Merci, ma côté, ça y est. Tu ne me crois pas?
Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Je t'annonce que cela aussi t'arrive. Bien-aimé dans le Seigneur, l'évangile au bout d'âme. Un jour, je suis entré, je suis monté dans un taxi, je clôture. J'étais assis à côté d'un frère. Il était en costume. Mais curieusement, j'ai remarqué que sa bouche était en mouvement à tout moment. Non, en mouvement. Et je me suis posé la question, pourquoi il parle? Il monologue, oui. Un moment de rêve, j'ai senti l'odeur des arachides. J'ai observé ses mains. Il n'y avait rien. J'ai regardé autour de lui. Il n'y avait même pas un sachet. Mais je me suis dit, bon, je vais observer pour voir d'où proviennent ces arachides. Non, mon grand frère, continue. Nathan m'a dit à tout Sylvestre. Démarche. Et puis, je vous prêche l'évangile. Ces choses, vous devez refuser ça. Moi aussi, non instruite,
Je connais un ami. Lui, il vendait de l'eau, des sachets. De l'eau des sachets. Et puis, sont à taille de l'eau. On sent que ma trace. Je vois même aujourd'hui, vous sentez, il y a toujours des Kalawana. Film bravo. Tellement qu'il. Il ne savait même pas construire une phrase en français. Et quand il prêchait, il utilisait la Bible en swahili. Jusqu'à un moment donné, j'ai vu le Saint-Esprit se manifester dans sa vie. Et aujourd'hui, quand je le regarde, je dis, toi, tu es un père moins vivant de Dieu. Ceci n'est pas arrivé par hasard. Pas passé par les bancs de l'école. Mais quand il se tient, il prêche la parole. Vous dites que c'était un docteur en français. Pourquoi l'évangile est capable de transformer? Pour ma prière ce matin, je ne sais pas si cette prière va localiser une personne ce matin. Du haut de cette chair, je veux déclarer quelque chose. Et je voudrais que le ciel soit ouvert pendant que je déclarerai cela. Je prie que le ciel soit ouvert. Et je vois comme des colombes. Je vois des nuées aussi. C'est possible encore. Je dis c'est possible encore de vivre une vie renouvelée en Christ.